Bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 4 de Harry Potter UHC. Dans le dernier épisode, j'avais réussi brillamment le jump. J'ai ainsi pu rapporter 25 points à mon équipe. J'ai aussi rejoint Tupai, qui n'a pas fini son bingo. Aujourd'hui, il est temps de rejoindre Chobax, notre dernier mate, en espérant que celui-ci ait assez de fil pour finir le bingo de Tupai. Ouais ? Dis-moi, t'as du fil ? Ah merde. Il a pas ? Il en a un seul. T'as pas de stuff ? Attends, je vais descendre. T'as zéro diamant. Non mais je suis enchant quand même, mais genre j'ai un diamant. Bah fais gaffe, une faille. J'en ai trois. Bon, je me fais des bottes du coup. Merde, il est où mon pseudo? Et c'est déjà un premier coup dur. Chobax, un élément fort en PVP, n'a pas de stuff. Il va pouvoir se crafter uniquement des bottes en diamant. La partie PVP s'annonce déjà compliquée. Ah merde, mais c'était la fin de l'épisode. Bonjour. Ah bonjour. Ah bonjour. Attends, et au revoir, mais en retard du coup. Est-ce que t'as des livres? Bah j'en ai un, je vais t'en passer un si tu veux. Oh, je veux bien. Parce que sinon j'aimerais, enfin sinon je finirais pas mon bingo. Bah j'en ai un, mais ça, vous savez le pire c'est que j'ai un mineshaft. Hein. Mais attends, mais t'as un arc? Oui j'ai un arc, mais je le drop sur un squelette. Mais donne-le. Et ça marche pas? Ah mais du coup, mais j'ai plus d'arc après, moi je suis baisé, hein, parce que moi j'ai pas de stuff. Ouais mais il faut qu'elle finisse son bingo, c'est plus rentable je pense. Non mais le truc c'est que si on trouve deux fils, Ouais. C'est vachement plus. Mais de toute façon ça marchera pas, je crois qu'il enchante, donc Ouais. Ah si, ouais. Je sais pas, en fait là c'est même pas mes caves, hein. Genre je vais arriver vers vous mais c'est pas du tout mes caves. Mais en fait genre je suis retourné Nether alors que j'avais un mineshaft et j'ai pas pensé à prendre des fils et tout en rab. J'étais tellement, je voulais tellement finir premier que... Est-ce que tu te souviens des coordonnées ou pas? C'était à côté d'un portail du Nether, j'ai essayé de le retrouver mais je l'ai pas retrouvé. Y'a un portail du Nether en haut. Il y avait le mineshaft. Bichard t'as des levels ouais. Ou pas? J'ai 4 levels. Tu peux regarder si t'as du protection là-dessus. Ouais, par contre je m'en suis rendu compte à l'annonce des tics que c'était au 3. Je pensais que c'était au 4, moi j'ai pas compris. Non, j'ai pas non, ça a changé. Bah, c'est ah, oups. Et bah, tu l'auras pas. Merci. Je veux bien un pantalon. Ah, bah, c'est bon, tu mets la drop. Si je peux voir. J'ai 6 d'or si tu veux faire un truc. Les deux, ce serait génial. Moi, je me suis fait un P2 sur le casque, mais c'est tout en gros. Non, toujours pas. T'as pas encore du fer? J'en ai 6. Ah, oui, attends. Waouh! Parce que sinon, après, ça va être trop tard quoi. Bah, moi, je me dis qu'en vrai, il y a plein de gens qui ont pas de stuff, je pense. Et que du coup, oui, avec mes B, je peux en drop facilement une. Ouais, mais bah enfin. Moi je reste à l'arc, hein, clairement. Du coup, t'as quoi comme B? J'ai force, résistance au feu, résistance, speed. Oh, j'ai ah, c'est cheaté. En vrai, ce qu'on peut faire, c'est que moi j'ai Sharp 3 Knockback 2, du coup. Et j'ai Power 2, donc ce que je peux faire, c'est que je peux genre KB les gens et en même temps. Et on les nique à 3, genre j'en KB 1 et après on 3B2 les autres. Ouais, c'est ça. Tout, je l'avais de mieux, quoi. J'entends des gens à côté de moi. Ah, c'est toi. J'ai trop peur. Par contre, on en parle des roses, là, ils sont trop bien, genre. Ah, les roses, ils sont bien, hein. Même les bleus, hein, les bleus ils sont bien de ouf. Les violets ils sont pas mal aussi. Et je te dis, les B ça fait tout. Et comme j'ai enlevé la B résistance, sans faire rien. Mais du coup t'as niqué tout le monde en fait. Bah là, pour la B résistance, ouais, mais c'était la dernière donc. Heureusement pour moi, personne n'avait réussi à aller au coffre de la B résistance. Donc finalement j'ai handicapé personne. Ah ouais. Ouais, je trouve. Et du coup, tu. T'avais pas mis ton réveil genre, tu l'as oublié? Non, mais je mets jamais de réveil. Genre, attendez. Attends, dans le premier coffre y'a rien, mais j'ai un spawner donc peut-être fil. S'il te plaît. Putain, y'a une gapole mais y'a pas de fil. C'est la première fois non. Que je... On est maudit, je crois, hein, parce que d'habitude y'a toujours des fils dans les spawners. Venez, regarde si le truc il spawn à côté de nous. Ouais, mais de toute façon, on va chercher en même temps, on regarde si ça spawn pas autre. Venez, on se rapproche de là juste. En effet, parce que dans quelques secondes, une relique de la mort va apparaître. Il ne reste que la pierre de résurrection ou l'épée. Deux reliques de la mort qui ne sont pas négligeables. Elles peuvent nous permettre de gagner un fight et ainsi récupérer du stuff. Hop. Ouais, mais si tu te caches à côté que tu le prends pas. Tu vois. 132, on est juste à côté. Pas loin, ouais, on est pas loin de ouf. Là par là. 200 blocs, c'est pas à côté. Là par là. 200 blocs. Vous voulez qu'on y aille ? 350 blocs quand même. Ouais, mais ça va quoi, genre en vrai ça. Bah, si on voit qu'il y a des gens qui l'ont, on fait demi-tour quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un gros risque ici, mais qu'auriez-vous fait à notre place? Cette phrase n'est pas facile à dire. Est-ce que vous avez remarqué que c'était mon frère qui venait de faire la voix off? Ou c'est peut-être moi maintenant qui parle? C'est quoi qui a drop? C'est la pierre philosophale? C'est l'épée? T'as dit quoi? C'est la baguette. Oui, c'est la baguette. Si on chope la baguette, sharp 4 avec ta force, mec. Je l'ai. Tu te fous de moi? On se casse. Je l'ai. Cassez-vous. Non, pas vers zéro, là, on revient de là où on vient. Mec, Doop. Strength plus l'épée, mec. Tu vas toucher tout le monde. Je vais faire du carnage. Ah, mec, là, clairement. Attends, combien de dura par contre? 30, oula! 30 ou oui. Ça? Ouais. Du coup,
coup, faut gaffe, dans la forêt, qu'on se fasse pas trop repérer. Quelle chance, personne n'avait pris la baguette avant nous. Et on a croisé aucune team, c'était plutôt rentable. Il va falloir maintenant que je l'utilise intelligemment. En effet, Shard Nescal plus une baie de force, je vais pouvoir drop des gros joueurs facilement. J'ai trop peur. Attends, y'a pas 5 points qu'on gagne avec maintenant ? Si, quand si. Quand tu t'as un truc, nice. C'est bon ça. Du coup, on monte à égalité avec les deuxièmes et troisièmes, ce qui est cool, si on a ton truc. Ouais, mais il faut l'avoir quoi. Faites ce que vous avez à faire, mettez-vous bien. C'est bon. Moi je me suis fait des avances. T'as combien de secondes sur ton truc ? 10 secondes. Ok. Donc vraiment, c'est le dernier moment quoi. De ouf. Genre on court dans la forêt, puis après tu utilises ça, puis tu turnes. Ouais, ça. Par contre, faut bien choisir sur qui l'utiliser, hein. En soi, non ? En face. Devant. Magic. Magic, c'est tentable. Magic sauf un Sparia. Salut Magic. Oh, allez-y. Hein. Bah. Le problème, c'est que regarde-nous. Je viens de sortir. En sérieux ? Tu n'as pas encore marqué de points. Vas-y, on place. Bon, vas-y, allez, vas-y. Vous êtes allez, présenté. Que ça. Voilà. Vas-y, ouais, ouf. Par contre, l'attaque, c'est les bots. Je t'emprunte les bots. On décide de laisser Magic s'enfuir avec sa team. On a préféré être fair play. Et on va peut-être le regretter parce que chaque kill apporte 10 points. Pensez-vous qu'on va le regretter ? Même si j'avoue que son kill, il nous aurait mis bien là. Ah ouais. Là, je t'avoue que. Comment on va perdre à on va perdre à 10 points et parce on va dire sont, putain, mais du coup. Comment niveau. Ah, ils sont dans la merde totale. Eux, niveau points, ils sont pas bien. du match bon, j'ai pas pris de saut de lave, j'ai cliqué un briquet, je me suis dit au moins si tu l'utilises, tu passeras pas pour un trade. Bah tiens. Oh putain, mais le bâtard. J'ai envie de le tuer. Attends, mets des blocs s'il te plaît. Pourquoi on l'a pas tué ? Tu m'as appelé Sparia ? On est actuellement en train de recrafter un portail parce que Chobax se souvient à peu près de là où il a trouvé son mineshaft. Il faut que Tupai finisse au bingo. On décide alors de perdre un peu de temps pour essayer de trouver du fil. Ok, c'était là où j'étais. C'était là où j'étais. Attends, tiens, Richard, prends une garde d'ailleurs. Merci. Ok, c'est bon, c'était là. Ok, c'était là. Ok, j'avais spawn là et après je suis allé où ? Ok, tout va jouer sur ma mort, les gars. Il me semble que j'étais allé par là, mais j'avais déjà fait ça la dernière fois et c'était pas là-bas. Attendez, c'était là-bas ou là-bas ? C'est long, on s'est retrouvé tout pareil. Non. Mais comment vous êtes retrouvé aussi vite d'ailleurs ? Ah si, oui. Bah on était tous les deux en surface. Vous avez tous les deux. Ok, non, c'était pas par là. C'était entre le portail. Je crois que c'était là-bas, hein, logiquement, mais je suis vraiment pas sûr. Je sais qu'il y avait des citrouilles aussi pas loin. des citrouilles ? Okay, il me semble non, mais il me semble que c'était. Non, là. Attendez, là. Enfin, il y en avait, mais c'était vraiment là. À côté, je crois. Elles sont là, les citrouilles, là. Ok, donc. Putain, la mémoire. Faut avoir un autre portail normalement. Parce que logiquement, il y avait un. Genre, je me souviens que j'avais vu des citrouilles genre au loin. Maintenant, si on calcule la distance par rapport aux citrouilles. Je sais, Matt. Là, devant. Quoi, devant ? C'est Damien, on peut le tenter ? Go. Je suis désolé, mais les gars, mais on a pas de stuff. Oh non ! Oh putain, je suis tombé. Génial. Là, il y a plus de filles que de gars, mais. Non ! Non, mais je vais pas, c'est trop tard. C'est où, non ? GG. Ok, tiens, prends les gars. Et j'ai le plastron aussi. Oh putain. Y'a pas un arc ? J'ai un arc. Récupère les gars, hein. T'as récupéré les gars. Les deux, ok. Oh, j'ai deux fils ! J'en ai, oui, j'en ai aussi, j'ai un arc. Oh. Tiens. C'est ça. Je peux avoir un si ça intéresse quelqu'un, Bichard. Tu veux ? Non, ça marche pas. Faut que je le craque. Pour un, il est parfaitement neuf. Ouais, en fait, c'est un peu. Oui ! Je me rends compte, mais on aurait pu juste. J'avais trois fils sur toi. Bref. Qui est mort du coup, bon, est-ce qu'on essaye d'avancer là ? Ou est-ce qu'on va le retrouver ? P2, ouais, okay, attendez, juste poser l'enclume, je vais faire un petit truc. Ce kill sur Confav nous met extrêmement bien. Il nous apporte 10 points et en plus, le fil nécessaire pour que Tupai finisse au bingo. Grâce à cela, on passe maintenant deuxième. On voit une petite lueur d'espoir. J'ai juste P1 moi sur le mien. J'ai un danger T1. Ah, voyons voir. P2, nickel. Alors là, ça va, je me suis mis plutôt bien là. Vas-y, go. On avance. Venez, on avance vers eux. On va voir. On s'est mis trop bien. Là, pour le coup. Bon, j'ai pas de bot juste. Ouais, c'est le seul truc qui manque. T'as combien de diamants déjà ? 3 ? 0 ? J'ai un diamant. Un diamant, c'est ça. T'inquiète. Ah, j'ai de la stone. Ah oui, parce qu'elle fait ouais, la stone. Ça c'est la forêt interdite là-bas. Ouais, j'étais allé, j'avais pris des fils, puis après j'ai demandé un bus, en fait c'était off. Je ne vous avais pas parlé de la forêt interdite. Elle représente le centre de la carte, là où tous les fights sont censés se passer. Pas mal d'easter eggs et des cobwebs. De quoi se bloquer bêtement. Bon. Dans une minute, on va se laisser. Ah, y'a quelqu'un ? Bah oui. Ah, merde, y'a la team de Sophin. Ah, y'a la team des roses. Non, go, c'est pareil. Les roses, je sais pas trop quoi en faire en vrai, si on doit les fight maintenant ou pas. C'est qui les roses ? C'est Vidwarf, Fatou, Shaku.
Oh non, pas de warp. Bah en vrai, on doit les tuer tout de suite, hein. Je mens pas. J'avoue que si on peut clean, en vrai, ça peut être pas mal. Ouais. Ouais, on doit les tuer tout de suite, hein. Mais Dwarf, il va encore me tuer, je le sens, hein. Le problème, c'est que là, ils ont trop de points et qu'ils vont prendre des points sur le PVP, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Je pense qu'il faut il faut essayer de les empêcher de prendre les kills. Donc je pense que s'il faut y aller, c'est maintenant. Ouais, on a 10 secondes, donc tu l'as dit un peu en avance, hein. Oui, non, mais écoute, moi, je suis un peu... Ouais, j'étais tout le temps en retard. Par contre, ils sont passés par là, du coup, normalement. Ok, ils sont là-bas. Et c'est sur ce cliffhanger de fin que je vous laisse. En effet, c'est la fin de l'épisode, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dans 2 jours. Et dans le prochain épisode, c'est là que tout va se décider. Est-ce qu'on va réussir à éliminer la team des professeurs? Est-ce qu'on va passer devant? Est-ce que la baguette de Suru va m'être utile? La réponse, dans 2 jours, mes chers compatriotes.